à Tokyo, il y a un truc qui est très connu dans les boulangeries, parce qu'il y a des boulangeries ici à Tokyo, ça s'appelle le melon pan. C'est une sorte de brioche avec un peu de sucre dessus. Du coup, premier melon pan ici à Tokyo, les gars. Ça fait plaisir. Ce qui me frappe quand j'arrive ici à Tokyo, c'est que dans cette ville qui est la plus grosse mégapole du monde, eh ben, tout est petit. Les voitures. Les scooters sont petits aussi. Les vélos sont petits. Les rues aussi sont toutes petites. Les escaliers aussi sont très petits. Cette femme a 65 ans. Elle est toute petite. Les camions poubelles aussi sont petits. Tout est petit. Ah, en plus, il fait une petite musique, on dirait Mario Bros. À Tokyo, il est totalement informellement interdit de fumer dans la rue. Là, voilà. Du coup, vous avez des petits espaces comme ça où les gens peuvent venir fumer leurs cigarettes sans déranger les autres. Shibuya, les écrans géants encerclent le carrefour le plus célèbre du monde, le Shibuya Crossing. À un moment, c'est les voitures et après, c'est les piétons. Et ils sont 3 millions par jour à le traverser. Et je crois que c'est l'un des endroits les plus filmés de la planète. En termes de passages piétons, quoi. C'est le truc, c'est le top du top des passages piétons dans le monde. À Shibuya, c'est quelque chose qu'il faut que tu vois, c'est incontournable ici au Japon. Donc voilà, ça c'est la gare de Shibuya. Je suis juste devant l'entrée de la station. Cette fameuse gare qui déverse plus de 3 millions de passagers par jour. Il y a un truc qui est sympa ici, c'est le cœur, c'est cette fameuse place. Il y a un endroit où tout le monde se retrouve, c'est le point de rencontre des Japonais. Donc là, les gens ici, ils font la queue, c'est pas pour acheter une glace, hein. C'est pour voir le fameux chien Hachiko. C'est un chien qui en fait accompagnait son maître, un professeur d'agriculture, tous les jours à la gare et il l'attendait ici à ce point-là. Quand il rentrait le soir, il récupérait son chien et il rentrait chez lui avec. Un jour, le maître, il n'est pas revenu, il n'est jamais rentré du travail. Pourquoi? Parce qu'il y est décédé. Et le chien, il a continué à venir ici tous les jours pendant plus de 10 ans. C'est vraiment un chien qui, pour les Japonais, est sacré et du coup, il a même été empaillé dans un musée pas très loin. Et il est impossible de venir ici à Tokyo sans venir faire une photo devant le chien. Voilà, donc ça, c'est vraiment à Shibuya. Un endroit bien particulier. Alors à Tokyo, ce qui est sympa, c'est qu'on peut voir Mario Bros. Ah, Mario Bros. Et il parle pas français, Mario Bros. Il va faire du kart dans les rues de Tokyo, lui, carrément. Alors là, je vous accompagne dans un endroit très particulier, vous allez voir, c'est assez sympa, c'est typiquement japonais. Hein. Il y a qu'ici que tu vois ce genre de choses. Chat perché, il est pas mal ça, chat perché j'aime. Le chat à l'envers. Très bien pour la décoration du salon ça. Tu le mets au-dessus de ta télé, c'est nickel. Il n'y a qu'à Tokyo que tu vois ce genre de choses. Reposant, on peut boire un café, caresser des chats, c'est original je trouve. Le petit plus de la visite, c'est que vous avez le droit à une super belle vue sur la ville de Tokyo. En plus de caresser les chats et de boire un petit café, on peut mater la jolie vue. Café chat est terminé, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas fini parce que des cafés comme ça, il y en a partout et il n'y a pas que des chats à voir. Vous n'allez pas me croire. Je vais vous emmener voir autre chose. Alors à Tokyo, il faut savoir, c'est une ville qui est verticale. Ils ont inventé des immeubles où en fait, tu rentres ta voiture dedans
Tu rentres ta voiture et la voiture elle en est à l'étage supérieur. Et elle va être garée dans l'immeuble juste au-dessus. Alors dans la série Tokyo et ses cafés insolites, après les cafés chats, je vous emmène dans ce qu'on appelle. Je bois un petit café entouré de chouettes. Ce qu'on appelle les hout-hout café. Et laissez-moi vous dire que c'est très spécial. Alors si t'es tout seul à Tokyo et que tu t'ennuies un petit peu, que t'as envie de boire un café, moi ce que je t'invite à faire, c'est venir le boire avec des chouettes. Tu verras, c'est vachement chouette. Carrément balèze. C'est des fous furieux. Expérience insolite à Tokyo. Donc si vous venez sur Tokyo et que vous avez envie de vous poser dans un café, et pas juste boire un café, mais trouver une ambiance atypique, elle fait carrément flipper. En plus, sa tête tourne à 360 degrés, c'est un truc de ouf. Venez au Hoot Hoot Café à Shibuya et vous serez servi. Donc un café, une chouette, café chouette. Yeah. Là, je suis face à un mec qui est bien dans le style. Beautiful style, I love your style. Il est en train de me filmer, c'est cool. He's not you? Yeah. It's you? No. No? You have the same hair. The hair is the same. Yeah, similar. Yeah. I love. Il a la même couche de cheveux que le mec, je pensais que c'était lui sur les photos. Donc là, on voit bien que c'est le temple de la mode, hein. Made in Japan, tout ça. Hein. Ah bah si je rentre en France fringué comme ça. À mon avis, je vais faire fureur, hein. Je vais avoir du style. Hein. This is my style. Yeah, it's my style. Oh, I love. Are you right? Ah ouais. Ah ouais, demain, I come back. Bonjour, ça va? Ah ouais, quand on dit que c'est. Hein, ils sont à fond dans la mode, les mecs, ils ont des dégaines, ça te calme tout de suite. Hein. On dirait qu'ils sont sortis d'un clip vidéo japonais. Ouais. Alors, Shibuya de jour, c'est bien, mais il y a aussi Shibuya la nuit. Je t'emmène avec moi dans ton sac à dos, reste sur ton canapé, allume la télé, et c'est parti, on y va. Il y a plusieurs petites choses qui m'intriguent et qui me tapent à l'œil quand je suis arrivé ici. Déjà, premièrement, c'est que ces machines-là. Ça, à Tokyo, vous en avez partout. Mais partout. Ils en mettent dans tous les coins. Tu comprends pas trop parce que chez nous en France, à part dans les RER, il n'y a pas de machine à boisson dans les rues. Il y a un truc aussi qui est intéressant ici à Tokyo, c'est que en fait, les gens ils commandent ici à la machine. Voilà, il insère les sous. Il tape un numéro. Et une fois qu'il a son ticket, eh ben, il va rentrer dans le restaurant. Il n'y a pas de serveur qui communique avec lui. Voilà, il n'y a que le cuisinier. Quoi. Donc lui, il ne sait pas trop ce qu'il veut manger. Hein ? Je ne sais pas ce que tu veux manger. Oui. Je me souviens, je me suis pris une brochette de bœuf de Kobe. Donc là, on va déguster la fameuse brochette du bœuf de Kobe en mode street food. Brochette de bœuf de Kobe validée, excusez-moi, je parle la bouche pleine. Validée. Alors, dans la série des trucs technologiques ici à Tokyo, vous avez les chaussures connectées. Sinon, vous avez les nounours aussi connectées. Vous avez également les bouteilles de vin.
connectée à votre smartphone. Comme ça, vous pouvez picoler. Et tu sais si t'as trop bu, et j'en connais, il devrait avoir ça tout le temps sur toi. T'as ton casque de moto connecté. Et tu vois, t'as des petites lunettes à l'avant là. Derrière le casque, t'as une caméra. Voilà, elle est là. Tu la vois. Et en fait, le truc, c'est que t'as possibilité dans ton casque de regarder ce qui se passe derrière toi. Comme ça, quand tu veux doubler, ben, t'es sûr de jamais te prendre une bagnole derrière. Donc je trouve que ça, c'est très intelligent, tu vois. Ça, c'est intelligent. Aside from my soul.